locomande yo jan sa kreye demen. Yo ka dire que le futur vine certain. En lo ka trape psychose, ka trape pêche. Ou si yo embrouille un éveil, yo pa ka voye clair. Bote l'homme est pas loin, il va loin. Bote l'homme est pas loin, il va loin. Pas loin, non. Bote l'homme est pas loin, il va loin. Si mes chaudes la récolte demain. Et ça, on big up à tous. Et puis, on est ici au shop Republic Garden. C'est un shop consacré au CBD, au chanvre et à tous les produits autour, c'est-à-dire au-delà de la fleur, les infusions, produits cosmétiques, des huiles, des illiquides et pas mal de produits dérivés, du shampoing, du savon, du bain du sang. Des gels massants, etc., etc. Tous les produits possibles et imaginables qu'on peut trouver à base de CBD et de chanvre. Rappelez que le CBD, c'est un peu la molécule thérapeutique de la fleur de cannabis. Et en fait, on a aussi projet de faire un magasin en ligne, mais l'idée de monter un shop aussi, c'est une idée commune qui est née par rapport à justement une passion qu'on a aussi par rapport à cette plante remplie de vertus et qui a toujours été un peu vulgarisée ou diabolisée ou juste, cataloguée comme juste un truc de défonce, quoi, ou de gens trop tchad ou trop high-ray. L'idée aussi, c'est de montrer que cette plante-là aussi, elle est très méconnue et que justement, tous ses bienfaits méritent d'être mis en lumière, justement. Du coup, sachant que bon, mais c'est quelque chose qu'on palpe aussi, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher. Donc l'idée aussi d'avoir une boutique aussi, c'est aussi le contact aussi humain. On privilégie aussi beaucoup le contact humain, même si dans l'état actuel c'est un peu compliqué avec ces histoires de pandémie. Mais tout en respectant les consignes, on essaie de garder justement le contact avec le public. On sait que bon, mais les gens, c'est comme quand ils vont, je sais pas, à la pharmacie ou autre, ils savent comment ils peuvent voir leurs produits, sentir s'ils ont un problème, ils peuvent revenir. Il y a un service après-vente, on est là, on peut les conseiller sur tel ou tel. Voilà, le contact il est réel, quoi. Il n'est pas virtuel dans le sens que quand on commande un truc sur internet, si on ne connaît pas le produit, on n'est jamais sûr de ce qu'on va recevoir. Par exemple, ma mère commande beaucoup des fois des vêtements à elle sur internet. Souvent, elle a des problèmes de taille ou des trucs sans cracher sur le truc. Mais c'est vrai qu'en termes de garantie, le fait d'avoir une boutique physique, tu vois, qui bien sûr va être accompagnée du site, mais ça permet aussi aux gens de venir palper le produit, d'être bien conseillés. Et après, s'il le faut, même s'ils sont en déplacement ou autre, ils peuvent éventuellement commander, mais là, au moins, ils savent que ce qu'ils commandent, et ils ont une garantie que l'on ne vend pas n'importe quoi. Ces histoires de Covid, tu vois, qui justement a aussi entaché aussi le fonctionnement et puis a retardé même l'ouverture du truc. Après, c'est vrai que c'est pas évident pour des jeunes comme nous, originaires de la communauté noire, arabe ou autre des cités, d'avoir forcément du crédit. Concernant justement les bailleurs, les propriétaires, donc il faut toujours aussi y mettre la forme. Donc c'est clair que ça n'a pas été forcément évident, mais bon, comme nous sommes des passionnés et des jusqu'au boutistes, tous autant que nous sommes dans l'équipe, donc du coup, ben, on n'a pas lâché l'affaire. Et puis, on a, avec le concours de nos frères de Capilox aussi, qui nous ont donné aussi beaucoup la force aussi au niveau de la connexion. Et du coup, ben,
on a décidé de ne pas lâcher l'affaire et puis malgré les difficultés, on a quand même attendu combien de jours, 4 mois avant d'ouvrir quoi. Alors qu'on avait déjà le local, on avait déjà fait les travaux, repeint la devanture, etc. Mais bon, en même temps, on prend de la bouteille puisque c'est aussi une nouvelle aventure pour nous dans ce domaine-là. Parce qu'on est tous un peu ici, issus du milieu aussi musical. Donc voilà, puis au-delà de ça, on sait que de toute manière, c'est jamais évident, peu importe aussi nos origines, de monter aussi une boutique. Et, donc c'est clair que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de brainstorming, beaucoup de communication, beaucoup d'organisation, enfin. Donc on s'y attelle tous les jours et puis malgré les difficultés, mais on fait avec et puis ça nous affaiblit pas, au contraire, ça nous motive encore plus. Long time a déjà prévient, non pas on chaton, c'est lion. Sans royal, à dans veneve, il pas fait sans on. Ou connaître la rengaine. Même si on voit moins, comment les accueille? On les accueille de manière un peu. C'est comme si nous on leur transmet des choses de manière basique. Pour expliquer déjà, parce qu'ils en ont plus ou moins. Souvent, même les gens lambda qui n'ont jamais testé, ils en ont plus ou moins entendu parler. Donc justement, ça les interpelle, donc ils veulent avoir plus de renseignements parce qu'ils savent que justement, c'est pas, y a pas l'effet psychotrope, qu'ils ont entendu dire qu'effectivement, il y a des huiles qui soignent les problèmes d'insomnie, les problèmes d'anorexie, les problèmes de sclérose en plaques. Donc tout le monde en a plus ou moins entendu parler, puisque bon, que ce soit sur les réseaux internet ou les différents articles, même les grands médias en parlent, font différents sujets de plus en plus là-dessus. Et qui parle de légalisation, de cannabis légal. Dernièrement, il y a la Commission européenne qui a un peu tapé sur les doigts de la France par rapport à toutes les restrictions qu'elle mettait vis-à-vis du cannabis médical, alors que tous les autres pays d'Europe sont grave en avance là-dessus. Donc du coup, ben, vu que le lambda, il en entend parler sur les médias classiques, si on peut dire ça comme ça, quand ils passent devant, ça les interpelle et puis ça nous permet aussi de leur expliquer quelles sont les vertus des huiles, quelles sont les vertus des graines, par exemple la graine de chanvre qui est celle qui contient le plus de protéines par exemple, quelles sont les vertus des divers tisanes. Donc souvent on propose aux gens qui passent de goûter une petite tisane au chanvre, histoire qu'ils puissent se faire une idée, goûter même. Il dit, ah ouais, par exemple, tout à l'heure, on a fait goûter une petite tisane, tout de suite, la dame est venue prendre son paquet de tisane. Donc, ça n'a rien à voir avec la fumette ou quoi que ce soit. Là, c'est... Et pareil pour les produits santé, les gels, les baumes. Donc, ça nous permet aussi, en même temps, de montrer aussi que à ces gens-là que toutes les idées préconçues qu'ils auraient pu avoir vis-à-vis de la plante, et ouais, bon, ça, c'est une drogue, c'est un truc. Non, c'est une médecine quoi, c'est une médecine naturelle, c'est un produit bio, c'est un produit vegan et qu'on peut aussi bien. Beaucoup de produits chanvre maintenant, on retrouve ça dans beaucoup de magasins de type aussi par exemple. Amen. C'est la formation, on se forme tous les jours, chaque produit qu'on reçoit, on étudie le produit, on fait des tutos, on travaille aussi avec des professionnels aussi qui nous aiguillent aussi sur tel ou tel, que ce soit au niveau du contenu du produit, des vertus du produit, des législations autour du produit, parce qu'il y a une législation spéciale pour l'alimentaire, il y a une législation spéciale pour la fleur, etc. Donc
Nous, en même temps, on fait de, nous sommes tous autodidactes aussi, donc, et comme c'est, et on se rend compte tous les jours que chaque jour on apprend des nouvelles choses sur les vertus de la plante, sur sa portée au niveau des bienfaits. Et donc, c'est super enrichissant en même temps parce qu'on finit jamais d'en apprendre en fait. Et c'est là on se rend compte que bon, ben, cette fleur-là, elle est waouh. Que ce soit au niveau de tout ce qui est matériaux isolants, donc on peut trouver aussi du chanvre pour faire ça, du cordage, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau cosmétique, que ce soit au niveau naturopathie. C'est complet quoi. Et, confiserie et j'en passe quoi. That's the farmer. People, imaginez pas la force que vous nous donnez. Faites bien plus que de simples abonnés. Mon message, remerciement et gratitude à ceux qui valorisent nos aptitudes. Et nous ramènent mon attitude. Grâce à vous, on prend de l'altitude. Remerciement et gratitude. Toujours loyal malgré les turpitudes. Votre soutien chasse la lassitude. Et si la musique roule. On s'appelle vraiment à faire les choses en ordre, puisque justement, souvent on veut nous coller cette étiquette un peu de gens un peu désordonnés, si on peut dire ça comme ça. Et là, l'idée c'est que bon, on est tous des gens responsables, et qui avons déjà une expérience aussi sur le terrain, que ce soit dans le commerce. Un frère comme Luigi aussi, il a déjà tenu du commerce, en plus d'avoir fait de la musique. Tous nos associés, on a tous un pied dans le domaine professionnel, en termes d'entrepreneuriat. Moi, le travail que je fais aussi au niveau de la rigueur que ça me demande, aussi au niveau de mon label, Seven Seals, et une bonne édition qu'on vient de monter aussi. Donc, ça aussi, ça demande une certaine rigueur. Donc, c'est cette même rigueur-là aussi quoi, qu'on met aussi à profit aussi de ce projet aussi. Quoi. Donc, c'est tout le monde qui ramène cette expérience. Et comme on a aussi, c'est notre petit bébé à tous. Donc, on le nourrit comme il faut tous les jours. On en prend soin et nous on sait que derrière ben, on doit pouvoir le défendre comme il faut et puis vanter ses bienfaits donc pour ça il faut qu'on soit bien formé et bien organisé puisque bon, on ne peut pas se permettre aujourd'hui vu la conjoncture d'avoir, parce que pour nous c'est une belle opportunité de pouvoir avoir pignon sur rue avec une boutique comme ça et il y a 10 ans ouais. On n'aurait pas pensé qu'on aurait pu se retrouver à la République et à vendre de la fleur de CBD à côté d'un magasin qui fait les dreadlocks par exemple. Tu vois, en 2020, on n'y avait même pas pensé. Mais ça se fait, donc on prend ça très au sérieux et on a envie de voir les choses se pérenniser et que ça puisse aussi motiver aussi d'autres frères et d'autres sisters à dire que bon, ben, c'est possible, tu vois, de pouvoir aussi. Converger des bonnes énergies ensemble et développer les choses, montrer que justement on chante l'union fait la force, on défend toutes ces valeurs-là, mais voilà, ça c'est une manifestation de tout ce qu'on défend aussi comme valeur aussi dans la musique. Quoi. Casse à mes supporters, tous mes fans, ma famille, mes amis, mes frères d'armes, toutes mes ancêtres. Le nom est choisi un peu en fonction de la vibe, tu vois, et en fonction aussi de la saveur, de l'odeur, c'est-à-dire que nous on travaille avec des producteurs aussi, on prend le temps quand même de sélectionner notre CBD, c'est-à-dire que c'est pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le CBD naturel qui n'est pas rabaissé en THC, qui est naturellement à moins 0,2%. Tu vois ce qu'on appelle le CBD naturel qui n'a pas été forcément. C'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté une saveur spéciale pour qu'elle ait une odeur spéciale, mais quand tu la fumes, bon, ou quand tu l'infuses, ça ne te fait pas l'effet escompté, justement, en termes thérapeutiques, hein, je parle, hein, en termes de relaxation. Bon, et du coup, ben, nous, on se prend la tête vraiment de sélectionner chaque fleur, de l'étudier, de la goûter pour qu'on puisse justement, ben, après. Soit c'est une variété déjà existante comme la Canatonic qui est une classique ou la Moonrock ou Limoncello par exemple et où il y en a d'autres qu'on va nous envoyer et l'odeur, sa saveur va nous
inspirer. Je sais pas, on en a reçu une qui est du CBG, qui est la molécule un peu mère de la plante, qui est encore plus fournie en vertu. Du coup, elle avait une saveur un peu banane, on l'a baptisée de la banane amour. Si la musique roule comme d'habitude. Comme d'habitude, je chante mes joies, mes peines, ma négritude. Et la musique m'a libéré de la servitude. Donc après, ça nous vient par l'inspiration. Ah, bah, tu connais, tu sais, on est des gens de la musique. Moi, j'écris des lyrics tous les jours aussi. Donc bon, bah, on est aussi inspiré, tu vois. Et du coup, bah, on essaie de ramener aussi des produits originaux, sachant qu'au-delà de baptiser des fleurs qu'on a, on a aussi des variétés qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui sont justement exclusives chez République Garden. Et comme on aime les bonnes choses et les belles choses, donc on se prend la tête justement pour avoir du premium, de la qualité vraiment, voilà, tu vois, qu'il y en ait pour tous les goûts. Et que les gens, ils savent que bon, bah, si on leur dit que celle-là, elle sera satisfaite de celle-là si elle cherche telle ou telle, parce qu'il y en a qui vont rechercher telle ou telle saveur, ou quelque chose, peut-être un CBD pour être plus tonifiant. Un CBD pour être plus relaxant, un CBD peut-être plus pour dormir. Donc il y a aussi telle ou telle variété qui peut être peut-être plus appropriée. Donc nous aussi, on se prend la tête pour que chaque variété aussi ait vraiment sa fonction. Comme papa, je voulais faire la zik et parcourir le monde. Aux quatre points cardinaux, rencontrer du beau monde. Semer des good vibrations à des kilomètres à la ronde. La France, je ne sais pas quand, mais comme ils sont toujours un peu en retard, mais je pense que ouais, ils vont devoir un peu s'aligner, parce que même ils font partie d'une communauté, c'est la communauté européenne. En Espagne, ils sont déjà super loin, en Hollande, en Suisse, enfin, je veux dire là, là on parle de légaliser même le THC, déjà sous forme de dispensaire, etc. Donc toujours pour le thérapeutique. Et donc je pense que c'est étape par étape, mais je pense qu'on y arrive. On y arrive petit à petit. Un big son dans mon enterrement. Le chalice brûle ardemment. Chaque chanson joue la lettre dans mon testament. Pour la vie, je remercie tiens papa. Alors voilà, donc l'adresse, on est au 21 bis rue Albert Thomas, juste au métro République. On est la sortie 5. C'est juste derrière le Monoprix ou le Franprix. Voilà, juste à côté de Capilox. Pour ceux qui connaissent Capilox, c'est vraiment la porte à côté. Et notre page Instagram, c'est République avec un K Garden CBD Shop. Pareil pour la page Facebook. Et puis, et là, on a le site internet qui sera en ligne dans pas longtemps. Donc, on vous transmettra aussi les infos. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Google, sur Insta, sur Facebook. Pour ceux qui sont passés, merci encore de la visite. On vous attend. Ceux qui nous ont envoyé les gens, merci pour la force. Ceux qui nous envoient des messages, qui nous demandent comment est-ce qu'on va faire la livraison à distance, parce que je reçois des messages un peu partout des îles. Ça va, c'est en train de se mettre en place, donc restez connectés. Et puis, force pour cette nouvelle année, puis santé, puisqu'on est en plein dedans. Donc, santé à tous, et puis beaucoup de love, surtout, et puis le reste, on va gérer. Yes, la famille et République Garden vous dit remerciement et gratitude à ceux qui valorisent nos aptitudes. Honorable est votre attitude, grâce à vous, République Garden prend de l'altitude. Remerciement et gratitude. Et yo, one love, la famille, on est ensemble. Bonne année à tous. 2021 et toutes celles à venir. Yes, I. Big up, respect. On vous attend. Yeah, man.